On remarque aujourd'hui que les femmes, ou certaines femmes, sont de plus en plus légères. Les femmes s'habillent très osées. Les femmes offrent leur intimité pour peu. Les femmes ne sont plus chastes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? On essaie de réfléchir, on essaie de comprendre ce qui a changé entre la période d'avant et celle de maintenant. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Je ne vais pas faire trop d'atalagou aujourd'hui parce que c'est le Vendredi. Et le vendredi, bon, on est pressé de rentrer à la maison et on a un sujet très, très gros. Voilà, on ne sait pas si on va finir, on pourra parler de tout ça en une seule émission, mais ça ne dérange pas, on a encore 200 émissions à faire, on pourra faire des parties 2, des parties 3. Mais une chose est sûre, on débute la réflexion aujourd'hui, d'accord? Et on débute la réflexion sur la légèreté des femmes. Après, on va parler des hommes aussi, parce qu'eux aussi sont un peu légers, peut-être. Ou bien si eux, c'est normal qu'ils soient légers, je ne sais pas. Nous avons notre coach maman chérie, coach Mada Sangaré. Coach Mada, comment tu vas? Oui, super, alhamdoulilah, comme on aime bien le dire, Dieu fait grâce. Oui. Et je suis contente de vous voir quand même, vous avez bonne mine les filles. Merci. Toi aussi d'ailleurs, t'es toute belle, j'adore le style avec le béret, tu vois. Ouais, le voile avec le béret. Elle fait le style dans le voile. Pour montrer que le voile, là, c'est pas juste genre, t'es là. Non, on fait le style dedans. Tu as remarqué, non? Aïe, toi aussi. Voilà. C'est la mère. La mère. Alors, nous sommes avec un deuxième coach, coach éthique certifié, s'il te plaît. Mm-hmm. Fidèle Amian. Fidèle Amian, tu vas bien? Super bien. C'est ta première fois chez les femmes d'ici? Oui. Ouais, on espère que ça va bien se passer, que tu vas rester longtemps. C'est nous, on est comme ça. Soit on t'aime, soit quand tu t'en vas, on te critique en même temps. Donc, j'espère, tu étais dans les hommes d'ici, tu es venu ici, attention. Ça va bien, fidèle? Oui, ça va très bien. Très bien. Ensuite, coach, il n'est pas coach, mais il a de l'expérience avec les femmes. Prince Balker. Prince. Oui. Oui. Prince est artiste, chanteur, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, je suis content d'être là, ça va. Est-ce que tu veux nous ambiancer un peu? Il faut qu'on débute cette émission avec ta suave voix. Tu es l'amour de ma vie. Quand on te dit ça, tu ne sais même plus si c'est la vérité. Parce que cette phrase, tu la connais. On t'a dit ça dans toutes les langues. C'est que l'uniforme de coupe, tu n'as pas cousu. Mais à l'heure là, c'est toi seul qui porte ça. Voilà, Prince Valter. Hey, c'est bien ça. Oh là là. Wow. Il est fort, hein, le mec. Et puis, très belle voix. Oui, c'est bon. Vraiment. Alors, on va débuter la discussion. Est-ce que vous avez aussi remarqué que les femmes sont de plus en plus légères? Toutes les femmes sont plus ou moins dénudées. Les femmes sortent, elles couchent pour tout et pour rien. Il y a des gens même qui disent que tu donnes poulet à une femme, même tu l'as. Pour très peu d'argent. On a l'impression que le sexe ne vaut plus rien. Les mariages se cassent pour tout et n'importe quoi. Tout le monde se dit qu'on peut avoir mieux ailleurs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on est dans un monde qui a changé et on doit changer avec notre temps? Parce que souvent, c'est ça, si tu ne changes pas avec ton temps, tu as l'impression qu'il y a un problème. Est-ce qu'on doit changer avec le temps? Ou ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne doit pas changer, quel que soit le temps qui avance? Voilà, la discussion est ouverte. Après, c'est vrai que je peux dire qu'il y a des valeurs qui se perdent. Qu'il y avait, l'éducation que les parents avaient n'ont pas l'éducation qui est aujourd'hui. Il peut y avoir plusieurs facteurs, comme tu as dit, mais ce que je pense en premier, c'est malheureusement pour certaines femmes, la précarité. Elles sont un peu laissées à l'abandon. Les parents ne s'occupent plus forcément de leur éducation. Ou même s'ils veulent les éduquer correctement, il y a malheureusement cette pauvreté qui fait qu'elles sont obligées d'aller vers des hommes pour avoir de l'argent. Donc que ce soit dans la rue ou que ce soit, comme on dit, voilà, dans,
dans les restaurants, etc. Donc, problème financier, pourquoi ? Et du coup, financièrement, je pense qu'il y a ça, surtout qui pèse. Entre autres, hein. Mais bon, je laisserai les autres aussi en parler. Très bien. Qui veut se lancer, coach? Moi, je pense aussi à un peu le phénomène des réseaux sociaux qui, malheureusement, est une vraie gangrène aujourd'hui. Et comme Aurélie le disait, il y a même des parents qui vont demander à leur fille de ramener de l'argent à la maison. Ouais. Et ça, c'est un problème. C'est vrai qu'on dit que nos parents nous ont éduqués d'une certaine façon et qu'on nous a transmis certaines valeurs, mais pas tous, malheureusement. Et quand ces filles-là se retrouvent dehors, elles vont adopter certains comportements. La petite qui a été éduquée d'une certaine façon, qui traîne avec elle parce que moi, elle est son copine, va commencer aussi à fréquenter les hommes, pas nécessairement par besoin d'argent, mais tout simplement pour suivre sa copine, pour être tendance. Et aujourd'hui, franchement, c'est un réel problème. C'est très pertinent comme sujet et j'espère qu'il y aura des solutions. On espère qu'on aura des pistes de solutions, Yasmin. Moi, j'ai envie de dire, il y a aussi la réussite à tout prix. Ouais. On parle des jeunes filles, c'est vrai, des situations précaires, tout ce que vous avez dit, c'est très vrai. Mais j'aimerais aussi rajouter qu'il y a des femmes qui n'ont aucun problème, qui ont de l'argent, bien qu'ils soient issues d'une famille quand même assez correcte, mais qui ont cette volonté de réussir à tout prix, donc qui ont cette manie de se dire que leur corps est une femme. Comme elle dit, mais moi je suis femme et puis je n'ai pas réussi. Pour elle, c'est une clé. La partie intime de la femme, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Mais malheureusement, beaucoup se cachent derrière des beaux visages. Donc, on ne sait pas toutes celles qui s'habillent mal, mais toutes celles qui sont vulgaires, qui sont des prostituées, entre guillemets. Non plus celles qui sont sur la route. Mais il y a des femmes même qui sont dans les foyers, je vous le dis. En vérité, Dieu leur a fait grâce d'avoir un homme, mais qui préfèrent aller se vendre ailleurs. Et ce sont les plus grandes prostituées qui existent, mais c'est caché. Donc, la prostitution est à tous les niveaux. C'est parce qu'à tout prix, elle veut réussir. D'autres aussi veulent être chef des familles. Donc, pour être chef des familles, là, il faut que je puisse avoir tout. Que ce soit homme ou femme, ils font du n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs. D'accord, très bien. Coach, madame? Ben, il faut dire que moi, je reviens toujours à l'éducation, à nos valeurs. Aujourd'hui, si on prend sur le plan de la spiritualité, ce moment a été prédit. Amen. Et il y aura même pire que ça. Si nous ne retournons pas vers Dieu et avoir la crainte de Dieu, parce que vous êtes d'accord avec moi que la vie même, c'est la spiritualité, c'est la discipline et l'ordre. Et dans tout ce que nous faisons, si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne sommes pas ordonnés, c'est des choses comme ça qui vont se passer tous dans notre vie. Il serait important que chaque humain commence à s'auto-discipliner pour que l'ordre commence à régner dans notre vie. La discipline au niveau de l'éducation, la discipline au niveau de l'auto-éducation, la discipline au niveau nous-mêmes, dans l'enseignement, dans tout ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire de là-haut jusqu'aux orteils, il faut franchement qu'on retourne à la discipline qui est d'abord la spiritualité et surtout l'éducation. D'accord, tu vas nous expliquer un peu, tu vas développer un peu plus cette discipline-là dont tu parles. Oui, Fidèle. Oui, merci. En fait, Je rejoins un peu Coach Mada pour parler un peu de spiritualité. Parce que tout ça va dépendre en fait des valeurs premières qu'on va donner à la personne. C'est ça. Et c'est vrai, la plupart des parents vont dire, mais moi j'ai tout donné à cet enfant-là, mais comment il se comporte comme ça? Mais en vrai, de façon psychologique, qu'est-ce qu'on a donné à l'enfant? Je m'explique. Je lisais un livre dernièrement qui parlait des blessures émotionnelles. Vous savez que les blessures émotionnelles peuvent emmener des personnes à mal réagir dans la vie. C'est vrai. Donc, on ne peut pas accuser directement cette personne, hein, parce qu'on se dit que c'est comme deux personnes qui doivent mener une course. Mais si une est blessée, elle ne va pas forcément mener la même... Elle ne va pas avoir les mêmes aptitudes de course. Les mêmes Donc, armes. Émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne pour que cette personne réagisse comme ça? Tout à l'heure, lorsque Yasmine disait tout à l'heure... Yasmine, qui disait tout à l'heure que elle a envie de s'afficher, par exemple. Ouais, elle a envie de s'afficher, etc., etc. Vous savez qu'au niveau de, par exemple, lorsqu'on passe l'adolescence, lorsqu'on commence à voir, en fait, que je commence à avoir des rondeurs, je commence à avoir une belle poitrine et tout, j'ai envie de tester certaines choses. J'ai envie de montrer que j'ai un corps qui a envie de parler. Et bon, quand c'est comme ça, on se retrouve en train de faire du n'importe quoi. D'accord. Dis-nous, Prince. Bon, quant à moi, je parlerai plutôt de l'éducation. Il faut dire que la gloire, l'envie de réussir, l'envie de s'afficher, comme il a dit tantôt, voilà, nous pousse à faire certaines choses, en fait. Voilà. Mais en toute chose, c'est
Déjà, c'est de rester dans le juste milieu, en fait. D'accord. Voilà, alors, est-ce que vous ne pensez pas, il y a personne qui a évoqué les hommes. Mm-hmm. Est-ce que les hommes même ne poussent pas les femmes à faire des bêtises? Parce que quand tu entends des hommes qui disent que si je ne sors pas avec toi, je ne peux pas t'épouser, si tu n'arrives pas à faire ci, je ne peux pas faire ça, bon, la femme a l'impression qu'elle est obligée, parce qu'on a éduqué aussi certaines femmes à être que dans un mariage. Donc, si elle veut le mariage à tout prix, et que le monsieur... Oui. Je pense que toi, même peut-être les autres pourront le dire sur le plateau, tu as eu des propositions indécentes. On t'a dit, on m'a dit, tu es belle, tu peux vivre telle vie. Ouais. Mais tu fais ton petit genre de femme intello et tout ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce genre de proposition-là, il y en aura tous les jours. Les hommes vont venir avec ce qu'ils ont à t'offrir, qui est l'argent, pour te dire, sors avec moi, je peux t'offrir tel style de vie, etc. Tout dépend de toi. On a le libre arbitre jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est toi qui acceptes ou pas de rentrer dans ce mode de vie-là. Mmh. Donc, si tu acceptes parce que peut-être tu as des copines qui ont un certain train de vie que tu veux imiter, parce que peut-être que tu te sens un peu gawaise sur les côtés quand tu es avec elles, forcément, tu vas adhérer à ça. Ouais. Mais si tu restes fidèle à tes valeurs, à ton éducation, tu vas dire non, merci, je préfère la galère. C'est ça, ouais. J'aimerais juste dire pour moi, puis je vais laisser. C'est pour moi, personnellement, aujourd'hui, avec beaucoup d'assurance, je peux dire que c'est une question de spiritualité. Quel est l'esprit qui règne sur ta vie? Parce que si tu as un esprit de comment on appelle, dinangoroso sur toi, ou bien tu as un esprit, non mais ça existe en plus, hein, chez les, ou bien tu as un esprit de débandade, et que pour toi-même, tu ne te rends même pas compte que ton corps l'a donné, là, c'est pas bon, tu peux pas savoir. On a beau te parler, tu te dis, mais ceux-là même disent quoi? Pendant même qu'on parle d'autres, on te commentaire, ceux-là même disent quoi? À moi, il n'y a pas mes tchoum, et puis il n'y a pas allé avoir tel truc, il n'y a pas mes tchoum pour avoir tant, parce que tu n'as pas reçu la divinité, c'est-à-dire... Je ne sais pas comment, tu n'as pas reçu la parole de Dieu, peu importe ta religion. Et peu importe, oui, bon, je dirais l'Esprit Saint, mais comme on ne peut pas donner notre obédience ici, je vais faire ça simplement. Tu n'as pas dit, oui, c'est ce qu'on nous a dit, tu ne peux pas dire qui tu es réel. Tu n'as pas reçu la parole qui te met en confiance. C'est quand tu as eu des blessures, comme le monsieur a dit, ces blessures, c'est quoi? Ta soeur est mieux que toi, ton frère est mieux que toi, les enfants de Aminat ont réussi, toi, tes enfants n'ont pas réussi. Vous êtes la honte de la famille. Il y a un moment, tu penses qu'on appelle une revanche. C'est intérieur, c'est en toi. Tu as envie de sortir de là. Et tu peux faire des choses. Mais si, au cours de ton chemin, tu rencontres Dieu, je t'assure qu'il y a des choses qui vont te dégoûter. On ne va pas te dire. Tu ne vas pas avoir honte de t'habiller gaou. Tu ne vas pas avoir honte de porter ta même perruque. C'est mais ça. Quand tu n'as pas encore ça là, tu es devant bien. Tu sais qu'à depuis la nuit des temps, on a mis l'homme justement à un certain niveau. Piédestal. Un certain piédestal. C'est l'homme qui décide de tout, c'est l'homme qui fait tout, c'est la femme qui doit courir vers le meilleur homme possible, etc. Ouais. Et les médias ont toujours relayé cette information. Ce qui fait que la jeune fille qui va grandir, qui va voir à la télévision un homme qui va venir et puis la fille va courir derrière lui, ou bien un homme qui va chercher à draguer mais qui va vouloir embrasser, ou bien qui va taper les fesses d'une fille. En fait, on va trouver ça, on va normaliser ce qui n'est pas normal. Et cette jeune fille qui grandit avec cet environnement, avec les médias, avec les films, les telenovelas qu'on voit où tous les jours c'est l'amour beau, c'est l'amour fou, ou quand on voit dans les clips que c'est la femme qui bouge les fesses et puis l'homme qui a l'argent, qui sort, qui tech, elle va forcément, celle qui n'est pas, qui n'a pas cette éducation religieuse et qui n'a pas ces valeurs-là, elle ne sera pas forte d'esprit, elle va déjà trouver ça normal. Et c'est pour ça que, comme Yasmine a dit, il y a des filles qui ont plein d'argent, qui sont issues de très bonnes familles, mais quand on te dit qu'elles participent ici à des partous, à des choses comme ça, bon, il faut avoir une ouverture d'esprit, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut faire doucement, quoi. D'accord. Tu vois? Quelqu'un veut réagir? Moi, je veux... D'accord. Pourquoi tu m'as pas dit? Non, c'est ouvert. En fait, vous avez dit tout à l'heure, si elle n'a pas reçu, si elle n'a pas ça, vous avez compris que c'est depuis le cocon familial. Justement, oui, c'est justement. Ça. Et l'enfant n'est qu'un logiciel vierge. Les applications, tu mets dedans, là. C'est ce qu'il te donne. Tu veux aller sur Facebook, ton logiciel n'a pas... Tu n'as pas téléchargé Facebook, tu ne peux pas partir sur Facebook. Ça, c'est clair. Il faut que les parents comprennent que ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous mettons en l'enfant, c'est ce qui va être l'enfant demain. Moi, je suis un peu mitigée avec ça. C'est vrai, on va dire qu'on a tous eu une très bonne éducation. Nos parents ont fait le maximum. C'est ça. Et puis, on est sortis du cocon familial. Moi, par exemple, à 14 ans, j'étais à l'internat. Il y avait plus... 14 ans, ce n'est pas suffisamment mûr pour être en dehors de la famille. Donc, c'est vrai qu'on va dire, j'ai fait des bêtises, je ne vais pas m'en cacher. Mais ça aurait pu être évité si, par exemple, j'étais restée à la maison, qu'on me serrait et tout ça. Mais quelqu'un qui sort du cocon familial tôt, adolescent, ou parce que,
encore à mon époque, on va dire que j'ai quitté la maison. Mais aujourd'hui, il y en a même qui sont à la maison dont les parents n'ont plus le contrôle. C'est vrai. À 13 ans, les parents n'ont plus le contrôle. Parce que dehors, je vois certaines choses chez le voisin, chez mes copines. Quand elles sont à la maison, c'est des anges. Mais quand on est dehors, tout le monde a un autre visage. En fait, tu ne maîtrises même plus ton enfant. Parce que l'enfant peut... les enfants sont très sournois. À la maison, je suis la fille bien éduquée qui a reçu de bonnes valeurs. Irréprochable. Ça, je suis quand je sors, je suis totalement ça, une autre personne. Vrai. Je suis d'accord. Il n'y a rien pour vérifier ça. Il n'y a rien pour que les parents fassent. Et ça, même, je vais donner un truc, une anecdote, juste avant que tu continues. Mm-hmm. C'est que, c'est vrai ce qu'elle dit, la spiritualité est très importante parce que même quand on inculque la spiritualité à son enfant, il faut tout faire pour que ça soit au moins gravé dans son disque dur. Pour que même quand il fait des bêtises, en fait, j'avais même à un moment, il revient au moins à la base. Oui, j'avais pas fini. C'est ça, parce que moi, je sais que mon papa était tellement strict, mais nous, on était très, très, très pieux, mais il était tellement strict qu'on avait peur de s'habiller d'une manière devant lui. Donc, les escaliers, là, on appelait ça transformation automatique. Donc, le temps, on va monter chez lui, là, on porte nos habits, là, maintenant, quand on descend, là, on se change tout. On avait nos habits sur le toit, puisqu'on habitait à Lyon, on avait nos habits tous sur le toit là-bas. Mais Dieu a fait qu'après, à un moment, tu reviens à ta spiritualité. C'est-à-dire que ce qu'on inculque, c'est la base. C'est comme une maison. Ouais. Quand la base est bien ficelée, quel que soit l'orage, ça ne peut prendre que le toit. Ouais. C'est difficile que ça arrache la maison, que ça parte avec. Mais je te rejoins, c'est vrai, parce qu'on voit beaucoup de témoignages, que ce soit toutes les régions. La femme dit oui, et j'étais droguée. Et à un moment donné, je me suis rappelé que quand j'étais petite, ma maman m'envoyait à la mosquée ou à l'église. Et où est ce fameux Dieu-là? Et un coup, il est apparu à moi et ma vie a changé. Non, ce que tu dis, c'est en fait, ce que Kadi est en train d'expliquer, c'est dans toutes les familles africaines. Mais ce qu'on n'ajoute pas, c'est qu'on nous inculque la religion sans nous donner de l'amour. Parce qu'on ne donne pas l'amour aux enfants. On dit, il faut faire, c'est une caquette, et je vais te frapper, j'allais prendre bain, c'est que de but, on te chicoter. Donc, tu es comme un militaire. On a eu l'éducation militaire du là. Donc, finalement, tu deviens malicieux. Tu deviens diabolique parce que tu sais comment il faut faire pour ne pas qu'on te frappe. Mais tu dis, ils vont me frapper, puis ça a fini. Donc, tu sais comment manipuler. On t'apprend la manipulation sans savoir. Du coup, quand tu sors de ce cocon-là, si tu n'as pas reçu l'amour, s'il n'y a pas ce qu'on lui dit, mais il faut qu'on lui explique. Ah, maman, vous expliquez, il faut faire ta prière. Démontrer, en fait. Voilà, justement. Voilà, en fait, alors, par rapport à l'amour, parce qu'elle a parlé d'amour, l'enfant ne va pas forcément... Pardon. Yachou. L'enfant ne va pas forcément ressentir l'amour que lui transmet son père, son parent. Ouais. Parce que c'est ce qu'il ressent qui va manifester. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les langages d'amour. Les enfants aussi comprennent ces langages d'amour-là. D'accord. Tout à l'heure, on va parler des langages d'amour. OK. Et ce sera juste après cette pub. OK. Le coach ou la coach Mada Sangaré, la madre fidèle Amian et Prince Balkeur, artiste et chanteur. On parle aujourd'hui de la légèreté des femmes. Il paraît, certaines femmes sont de plus en plus légères et donc on essaie de comprendre pourquoi. Il lui parle. Oui, c'est fidèle qui parlait, pardon, qui avait la parole. Oui, ok. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on va appeler le langage d'amour. C'est ça. Dans les langages d'amour, les enfants comprennent les langages d'amour. Ouais. Et un enfant, par exemple, une fille qui comprend le langage d'amour du toucher physique a besoin, par exemple, de l'affection de son papa, l'affection de sa maman. Elle a besoin qu'on la tienne dans les bras, on l'embrasse, on lui fasse des câlins, etc. Lorsqu'elle va manquer de cela, lorsqu'elle va passer l'adolescence, elle va vouloir que quelqu'un dehors la touche. Je suis tellement directement, c'est comme ça. C'est dangereux pour nos enfants, hein. Non, c'est ça. Directement, parce qu'on n'a pas compris ce langage d'amour là. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et après il va s'en souvenir. Ah. Donc ça, nos c'est enfants les qui ont fait des bisous sur la bouche à tout, mon bébé, je t'aime. Donc lui aussi il va grandir, il va vouloir chercher qu'une femme lui fasse ça. Non. Parce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que s'il manque de ça, alors que c'est son langage d'amour qu'il comprend, il va vouloir l'avoir dehors, en fait. Parce qu'il a manqué de ça auprès de la famille. D'accord. Pendant que, effectivement, le père était là ou la mère était là pour dire, non, moi, j'aime mon enfant, je lui donne tous les cadeaux, mais ce n'est pas son langage d'amour. C'est ça, je comprends. Il ne comprend pas ce langage d'amour-là.
effectivement. Et vous savez, il y a aussi quelque chose. Hein, oui, on a beau inculquer toutes les valeurs à nos enfants, il y a le goût de l'interdit. On a envie de savoir ce que nos parents nous ont interdit. Pourquoi ils disent que ce n'est pas bon? Et puis, on va aller là-bas pour voir si c'est vraiment bon ou pas. Et beaucoup de gens... Et au début, c'est toujours doux. Sortir, gazer, aller en boire de l'alcool, fumer, etc. C'est doux, ça dev... mais c'est au fur et à mesure que, justement, tu avances dans le temps, que tu te perds petit à petit. Ouais. Et finalement, tu te retrouves dans une spirale où tu ne te rends même pas compte dans quoi tu es rentré. Et mais, beaucoup de gens sont dans cette spirale-là. Ouais. Et c'est difficile d'en sortir. Mais d'où vient le goût de l'interdit? Le goût de l'interdit va venir, en fait, du manque d'amour aussi que l'enfant peut ressentir. Non, non, c'est quoi on t'a dit, il ne faut pas faire, mais on ne t'explique pas. Non, mais en fait, ça, on ne parle pas d'enfant, on parle de femme. Mais bah oui. Mais je veux dire, en fait, tout part de la base. Ça parle des femmes, oui, deviennent légères, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Voilà, parce que si on veut parler des enfants en global, on ne va pas s'en sortir. C'est la psychologie, la psychologie. On se dit que c'est un crescendo. Il parle de la psychologie. Voilà. En fait, ce que je veux dire, pardon, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout va partir de là. C'est ça. Si une fois que les valeurs sont inculquées dès la base, l'enfant va forcément s'en souvenir. Mais pourquoi je dis que ça va venir du manque d'amour, c'est qu'on veut forcément que ce que je dis à l'enfant, il le fasse automatiquement. Ça s'appelle un amour conditionnel. Lorsqu'on donne l'amour conditionnel à l'enfant, il ne peut pas tenter de faire quelque chose. Mais je suis pas, il y a d'autres qui n'ont jamais eu amour, voilà, même. Il est dans le carré. Au fur et à mesure, quand il grandit, il veut sortir de ce carré, il veut expérimenter autre chose. Ouais. Mais lorsqu'on manifeste ce qu'on appelle l'amour inconditionnel à l'enfant, on lui permet de comprendre qu'il peut faire des erreurs. Mais voici comment on va, voici comment on va. Lorsqu'on éduque l'enfant comme ça, il ne va pas forcément vouloir découvrir l'interdit parce que dans son éducation, même si il a eu l'occasion de se frotter à des choses qui sont certainement interdites, mais il a été recadré dès la base. C'est ça. Il a eu... Ouais, d'accord. Maman, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parle de spiritualité, quand je parle de valeur. Vous êtes d'accord avec moi qu'une mère qui est à la maison, qui vient faire dormir n'importe quel homme, c'est ça, chez elle. Un homme arrive aujourd'hui, l'autre homme arrive demain. Cet enfant-là a beau lui donner des câlins, a beau lui donner tout ce qu'on veut, tout ça. Qu'est-ce qu'elle apprend sa fille? Bah, le changement. Le sexe peut se faire n'importe comment. Je suis totalement d'accord. Et après, quand l'enfant même dit à sa maman, mais le tonton qui est venu ici hier, c'est l'autre, tu as raison. Comme la maison est payée, vous mangez à votre faim là. Vous ne savez pas que c'est ça là qui permet qu'on puisse manger. Ouais. En fait, c'est une leçon que tu viens de donner à l'enfant pour lui dire qu'à partir du sexe, on peut payer la maison, peut payer l'eau, on peut payer le courant et autres, tout ça. Je suis d'accord. Ça, c'est d'abord le cocon familial. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Après, quand l'enfant commence à grandir, nous tous nous sommes passés par là. Bien sûr. À un certain moment, comme l'a dit Aurélie, on a envie de comprendre l'interdit. Bien sûr. Mais on nous dit de ne pas faire ça là-même, il y a quoi dedans? Mais je trouve qu'en nous, il y a l'injection du béaba des valeurs et des vraies cultures et de la vraie moralité qu'on nous a donnée. Moi, par exemple, je vous raconte une anecdote. En 2013, je vais pour payer mon hajj. Je porte du lin, petit bras, mes seins sont dehors, j'ai ma perruque et puis j'arrive. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire le rang, tout le monde est choqué. Et j'arrive, je vais payer, le monsieur me dit, c'est pour ta maman ou toi? Je dis, c'est pour moi. Et puis il me dit, tu vas faire quoi au hajj? J'irai même me promener. Ben. Vous comprenez? Mais c'est vrai, je l'ai choqué. Mais tu as bien fait. Mm-hmm. Mais depuis 2013 que j'ai quitté le hajj, puisque depuis mon enfance, la seule chose qu'on m'a mise en tête, tu ne peux pas être en Dieu et avoir la défaite. Et comme la défaite n'est pas mon ami, je me suis toujours battue pour ne pas avoir la défaite. Et la seule condition que mon père et ma mère m'ont appris, c'est que quand tu es en Dieu, tu n'as pas la défaite. Amen. Et effectivement, en fait, voilà comment ils ont réussi à me prendre. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont dévié n'ont pas eu de base familiale? En fait, le problème, c'est que personne n'a jamais dévié. Mm-hmm. Il se trouve qu'on décide de ne pas être sur le droit chemin. C'est vrai. Didia. Oui, je suis d'accord. Personne n'a jamais dévié. Aurélie, si tu n'es pas d'accord, dis-moi. Aurélie, tu peux décider tout de suite. Aurélie, on a toutes les chances d'être une personne normale, d'être une personne disciplinée. Mm-hmm. Mais quand tu refuses de le faire, tu ne vas pas prétendre Il est souvent très difficile pour une jeune fille, par exemple. C'est vrai, c'est un choix, comme tu l'as dit. Mais c'est un choix, c'est une responsabilité. Je me dis qu'il y a des situations où certaines femmes n'ont pas...
le choix, ou elles se disent qu'elles sont dans un engrenage où elles ne peuvent pas en sortir, elles se demandent comment elles vont faire. Parce qu'elles n'ont peut-être pas cette éducation religieuse qu'elles ont reçue, parce que beaucoup de gens aussi ne croient pas en Dieu, parce qu'il y a plein de situations. Et ces personnes-là restent dans un environnement, dans un engrenage où finalement même elles peuvent se retrouver à mourir dedans. Si elles ne sont pas éclairées, Aurélie, tu es d'accord que tu es humaine. Difficile. On va écouter pour un instant. D'accord. Bon, ici, moi je dirais que c'est la base, c'est pour rejoindre un peu la coach. Voilà. La base, c'est l'éducation déjà. Je suis d'accord. Et même si ces personnes ne croient pas en Dieu, même l'animiste, oui. Même l'animiste, souvent il dit peut-être à son enfant, ne vole pas, n'insulte pas, ne fais pas tout. En fait. Mm. On a une base, en fait, c'est-à-dire le truc, il est commun. Une base morale, le bien et le mal. Après, c'est une question de choix, en fait. C'est une question de choix. Et il faut dire que l'éducation du dehors, c'est ce qui agit beaucoup, en fait. Ouais. Voilà. C'est ce qui souvent détermine souvent l'enfant, en fait. Sinon, déjà à la maison, tout est OK, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas quel parent qui va dire à son enfant, fais ça. Le problème, c'est qu'on ne grandit pas à la maison. On est obligé de se frotter aux autres. Justement. Moi, j'aimerais. Et voilà pourquoi la question du choix, au fait. C'est un choix. Moi, je veux rejoindre. Et si. Alors, nous sommes humains. Mm-hmm. Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Ils ne réfléchissent pas. Justement. Ils n'ont pas le choix. C'est ça. Par conséquent, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de responsabilité. Dès le moment où on fait un choix, tout humain qui est dans une bêtise sait que je suis dans une bêtise. Généralement, quand tu fais une bêtise, tu sais. Tu sais. C'est la vérité. C'est pas la chose. Non, tu sais. En réalité, tu on sais. On est un fidèle. Tu peux même dire qu'il y a un tu sais. Justement. Souvent même, tu fais une bêtise, demandes ça à Dieu. Mon coach. Souvent même, tu fais une bêtise, demandes ça à Dieu. Je veux compléter. Attends, chérie, je veux compléter la coach. Coach, ce que tu dis est vrai. Et puis, pour rouler pour Didja. Quand on était jeune, on était un peu gaou. On commence d'abord gaou. Après, ça dépend du lycée dans lequel tu vas. Quand lui apporte Vans, lui apporte Doc, moi, c'est mon époque, tu es un tantier. Mm-hmm. Tu veux porter les mêmes choses. Tu veux porter les marques. Ouais. Ton bleu blanc, tu veux que ton blanc, là, ce soit en marque. Mais ça dépend d'où on t'envoie. Et puis surtout, tu es belle, hein, mais elle est jolie. Tu es jolie. Tu es belle, hein, quand ça rentre trop dans ta tête, tu es belle. Tu peins, tu es arrivé. Parce que comme elle dit, tu n'as pas de responsabilité. C'est là où tu commences à faire des bêtises. Tu rentres dans n'importe quoi. Tout se compte parce que tu veux régner. Ouais. Tu veux commander. Si tout de suite, on vient de te dire que tu es belle, et puis il y a une autre qui avait une nouvelle dans l'école, et puis on commence à dire qu'elle est belle là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour une jupe mini? Tu vas chercher à porter une jupe mini comme elle. C'est comment on t'éduque? Il y a des enfants qui sont envieux de nature. Ça là même là. Coach, vous pouvez confirmer ou papa, vous êtes une conscience. Non, c'est pourquoi après avoir été la mère de l'enfant, il faut être l'ami de l'enfant. Justement. Quand l'enfant commence son adolescence, il faut être son ami. C'est-à-dire que la base que tu lui as donnée, quand tu deviens son ami maintenant, tu lui expliques pourquoi. Quand tu fais ça, voici les conséquences. Quand tu fais ça, voici les conséquences. Quand tu fais ça, voici la positivité. Mais moi, je vais voilà. Écouter fidèle. Oui, fidèle. Oui. En fait, dans tout ça, il y a ce qu'on peut inculquer à l'enfant qui va tourner autour de la connaissance de soi. Ouais. Parce que quand tu dis à quelqu'un ce qu'il est, ses valeurs, tu es une belle personne, si la personne a l'habitude d'entendre ça, ne va pas se laisser influencer par quelqu'un qui passe dans la rue. Psst. Non, ça ne va pas ça va même pas l'inquiéter. Parce qu'il a l'habitude d'entendre qu'il est une personne de valeur. Elle est belle, elle a du sens. Donc, quand tu as l'habitude de comprendre ce genre de choses... Des paroles de motivation. Des paroles de motivation. On te motive déjà dans le cocon familial. Quand tu sors, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te déranger. Moi, je vais parler du coaching, par exemple. D'accord. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui a reçu toutes les valeurs du monde, mais qui a, par exemple, ses parents sont décédés. Elle n'a plus le choix, aucun soutien de sa famille, personne ne veut d'elle. Et elle est obligée, malheureusement, de s'adonner à la prostitution. C'est un engrenage, c'est de cet engrenage-là que je parle. D'accord. Elle n'a pas le choix, souvent, que de rentrer dans ce genre de légèreté, de choses, pour pouvoir s'en sortir. Mais dans ce genre de fille-là, c'est vrai, elle va prier, mais ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont faire. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'on maintenant, peut faire ça, c'est une très belle question. Elle s'en sort, clairement. Je suis d'accord avec elle. En ce moment-là, effectivement, il y a des filles qui se disent quoi? L'éducation a tellement été bien perçue que la prostitution n'est pas pour elle. Comme lui l'a dit tout à l'heure, dans la motivation, on lui rappelle que ton nom, c'est un nom honorable. Ouais. Tu ne dois pas faire ça. Ton nom, c'est ça. Tu ne dois pas faire ci. Tu es de telle famille. Tu ne dois pas faire ça. Comme il a dit, c'est important qu'on puisse dire ça. Mais dès qu'une fille de ce genre tombe dans ce genre de situation, elle va se dire, mon nom honorable, je ne dois pas faire ça, mais je n'ai pas le choix. Je fais ça rapidement. Et je quitte dedans. Voilà, ça, je me positionne et je sors de là. Elle toujours sort. Si... Moi-même, là, je ne suis même pas d'accord avec le fait de me rentrer dedans. Non, c'est un choix même d'entrer. Tu sais, déjà me rentrer. Non.
On a le choix, en fait. Rappelle-moi ton fils. Prince Valque. Prie Dieu que la misère, la trop grande misère ne fasse pas partie de ta vie. Ouais. Tu comprends? La misère même ça, fait partie des choses qui dévient l'humain. On parle pas des filles qui aiment le sexe et qui font ça comme ça. Ouais. On parle des filles qui n'ont pas le choix. Tu es d'accord? Ouais. Un enfant qui a faim, il va voler. Ouais. Ça, c'est la vie. Une fille qui a faim, qui n'a pas le temps de voler, à qui on n'apporte pas le soutien et que quelqu'un peut la flatter, juste passer de la main sur elle, lui donner 1000 francs pour qu'elle mange. Parce que son problème, ce n'est pas ce qu'on lui fait. Mais après ça, comment elle va manger? C'est pourquoi il faut se battre pour être loin de la misère. La misère est le premier signe du déviement d'un humain. Oui, ouais. Absolument. Il faut plier ça, Dieu. Ma question, est-ce que tout de suite, dans l'immédiat, là, c'est la seule solution? Est-ce que son cerveau tourne? Est-ce que tu sais qu'il y a des filles qui se prostituent pour 2000? Est-ce qu'il y a des filles, tu sais qu'il y a des filles pour 1000? Je vous raconte une histoire. Une femme mariée qui se prostitue à Bracodibar. Tout le monde sait où ça y est. Une femme mariée qui se prostitue pour envoyer ses enfants à l'école. On a reçu une ici même. À qui j'ai donné un certain montant. Aujourd'hui, elle fait son commerce, elle est sortie de là. Voilà. Pourtant, elle est mariée. Elle a un mari inconscient qui se dit que lui, depuis qu'il a perdu son premier boulot, il ne peut pas faire autre boulot. Il est assis à la maison. Il fait même pas et voilà une fille à qui on a dit, si tu divorces, tu n'as plus le droit de retourner à la maison. Elle n'a pas de soutien. Oh là là. Elle a 16 enfants. Il n'y a rien à faire. Elle s'est amusée à aller se prostituer à Bracodibar. Quand je faisais une de mes émissions, je l'ai rencontrée, je lui ai demandé le pass, c'était à 2000. Combien d'hommes? 2 ou 3 hommes. Et elle prépare pour donner à ce gros monsieur qu'il mange. Le jour même, il n'y a pas de viande, c'est un problème. Et quand je lui ai dit, si je t'aide à sortir de là, elle dit, maman, c'est la première des choses. C'est pourquoi en Dieu, il est dit le repentir. Dieu voilà les gens qui se repentent. Alors, j'aime cette femme-là. C'est ça qu'on n'est pas là pour juger. Oui, coach. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est vrai que les femmes sont de plus en plus légères, mais on est vraiment dans celles qui persistent dans ça, qui prennent goût. Voilà, qui justement dans ça, qui a le problème. Mais alors que là, on peut. Si ce sont des femmes qui font des erreurs parce qu'il y avait une situation et après qui sortent, ça c'est pas. Moi, j'appelle pas ça forcément de la légèreté. Mais celles qui persistent là-dedans, c'est simple, c'est une éducation. Voilà. Regarde, on a d'autres effectivement qui persistent. Ça leur plaît. Bon, je t'explique quelque chose. Oui. C'est que les filles qui persistent, il n'y a pas trop de discours. Si elles n'ont pas toute cette situation-là, franchement, excusez-moi, la réalité, elles sont envieuses. Elles sont quoi? Envieuses. Sinon, nous toutes, on est un peu dit ça. On a la télé. Après le jeune homme, nous tous, on peut faire ça. Non, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire ça. Nous tous, on est star, on se met les célébrités, les télés, mais comme vous voulez, donnez-nous le nom que vous voulez. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller montrer les couleurs de nos caleçons? Mais il y a quand tu commences à montrer des choses comme Dieu ça, dit, tu obéis tes prostituées. Je suis le Dieu de miséricorde. Ouais. Ma miséricorde précède ma colère. Et je suis celui-là même qui guide qui il veut. C'est et ça. Je garde qui il veut. C'est ça. N'oubliez pas aussi le cas de la spiritualité. C'est ça. Il y a des familles qui ont posé dans leur action des colères spirituelles que jusqu'à aujourd'hui, qui ont la colère divine. De telle sorte que c'est une génération qui est bafouée. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est une génération qui est bafouée. Donc c'est toute une malédiction. Ouais. Voilà, divine. Ça, c'est très dangereux. C'est pour cela, en tant qu'humain, il faut s'éloigner de la perversité. Un homme, par exemple, qui viole sa propre fille, qu'est-ce qu'il crée dans sa lignée? Mais la malédiction. Ça, c'est grave. Une malédiction. Une fille qui couche avec son fils juste parce qu'elle est nympho, parce que ce jour-là, elle n'a pas pu avoir bien, un autre son caniche. Homme. Qu'est-ce qu'elle crée? Dans tout ce que les femmes nous faisons, évitons la malédiction divine. Mais tu sais que... Voilà, c'est un gros problème. C'est très intéressant ce débat. Oui, en fait, j'aborde un peu dans son sens. Non, maman prêche. J'aborde un peu dans son sens pour dire que, en fait... Et ça va rejoindre aussi les blessures émotionnelles. Parce que quand, de façon précoce, elle va connaître le sexe, de façon négativement voilà. Un homme qui est à la maison qui abuse d'elle, mais en fait elle est blessée, mais ça peut être une trace dans sa vie, mais justement donc elle va vouloir donc, à un moment donné c'est comme si elle accumule un certain nombre d'esprit, je vais me venger sur ces hommes et puis qui ont besoin de sexe, elle je couche avec en fait, et elle je peut ressentir avec... le voilà. besoin après d'avoir ce type de relation. C'est ça. Attends, il y a une démonstration. Parce qu'elle est déjà. Elle est déjà. C'est comme si elle avait reçu une marque de quelque chose qui l'a salie. La bête, en fait. Donc, au fur et à mesure, elle est en train de mener une vie
qui est alignée à ça. C'est parce qu'il y a une semence négative qui a été mise en justement. Elle, en fait. Mais tata, moi, je connais une dame qui est mariée. Mm-hmm. Je vous dis la vérité. Elle fait pas exprès. Elle l'a tout. C'est mais une maladie. Elle a tout, la prostitution. C'est une dame c'est une infomane. Elle est infomane, non, j'ai fait, elle, là, elle vous peut causer comme ça, non. Si tu as un peu de mus, c'est moi qui vais vous coucher ensemble. Mais pense que les gens ne savent pas. Oh, tout le monde sait qu'elle est comme ça. Elle couche, elle est amie. Moi, ça, d'ailleurs, les jeunes, côté malédiction. Elle soit les amis. Oui. Non, écoutez-moi, elle soit les amis. Non, c'est pas de son mari. Elle soit les amis de son mari. Elle soit lui, elle, les frères de son mari. Elle soit, elle et puis son elle mari n'est pas au courant. Non, mais son mari sait, mais elle a déjà passé. Elle-même aussi, en elle, elle a une mauvaise spiritualité. La mauvaise spiritualité, c'est quoi? Lorsque tu es animé par un certain esprit qui te domine, qui te fait croire que tu peux fermer l'esprit des gens, qui te fait croire que tu peux dominer sur les gens, tu oublies que les conséquences, c'est ces gens de conneries. Tout le monde sait les personnes. D'accord, très bien. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir terminer. Ce sera la troisième et dernière partie de l'émission. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie du coach Mada Sangaré, du coach Fidèle Amian et de l'artiste chanteur Prince Bulker. On va applaudir, s'il vous plaît, les filles. Alors, coach Mada voulait parler d'un autre cas. Oui, je suis en train de parler aujourd'hui de nos filles qui sont vraiment belles, qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui utilisent leur corps c'est pour ça. Vivre. C'est-à-dire que ces filles-là ne vivent que de leur image parce qu'elles ne savent rien faire d'autre que ça. Ouais. Et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation où tout le monde les envie, elles sont bien habillées, elles sont belles. Il y a aussi un groupe de filles qui se dit que c'est mon temps. Il y a aussi ce que je vais vous dire, les filles qu'on appelle la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Oui. Ou à 40 ans, à 50 ans, on se rend compte qu'on n'a pas pu exceller. Ni professionnellement, ni spirituellement, ni moralement, ni financièrement. Et puis ben, tu te dis quoi? J'ai 50 ans. Et comment je vais faire, comment je vais faire. Et puis toi-même, tu te donnes le droit de diminuer ton âge dans ton cerveau et tu divises ton âge en deux pour dire non, j'ai encore le temps. Donc dans ton cerveau, c'est tu vis à 25 ans parce que tu te dis que tu dois rattraper cette situation. Ouais. Donc il fait qu'à 50 ans, au lieu de bien te comporter, tu reviens dans le caractère d'une jeune fille de 25 ans qui peut encore se battre n'importe c'est comment cherché, pour rattraper ce qu'il faut. Mais il faut que les femmes comprennent que tout est une question du temps. Ouais. C'est ça. Il faut que vous compreniez que c'est une question du temps. Il y a un temps où on peut se permettre certaines choses. Mm-hmm. Nous tous, nous sommes passés par là. On était jeunes. Moi, j'aimais bien m'habiller comme ça. Oui, parce que j'avais une belle peau, j'avais des seins belles. Oh, oui, je m'habillais comme ça. Bien, on voit la poitrine, tout ça. Mais elle aujourd'hui, belle, à cet âge-là, voilà, je suis voilée. Mm-hmm. Mais comme je l'ai dit, parce que tout simplement, on m'avait inculqué, voilà, certaines valeurs de spiritualité. Où on me disait qu'à un certain âge, il te fallait une certaine sagesse, parce qu'à 50 ans, tu es plus proche de l'autre côté. Mais est-ce que s'habiller légèrement veut forcément dire qu'on n'a pas de bonnes valeurs? Non, non, le problème qui se pose, c'est que, comme je l'ai dit, il y a des femmes qui sont voilées comme moi, qui sont légères. Bien beaucoup sûr. Même. Oui. Ah, si c'est ça, on ne voulait pas dire, mais il y en a beaucoup. Vraiment très légères, qui sont des filles bien éduquées en bas. Mais on dit que l'habillement ne fait pas le moine, mais le moine est reconnu par son habillement. Oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'avec le voile que j'ai, même quand un homme veut me draguer, il va hésiter plusieurs fois d'abord. Il va se renseigner autour. Il y a la zone qui aime les femmes voilées. Non, il va hésiter. Mais si je suis en mini tout de suite, mais sans se dire en passant, il va descendre sa vitre. Ça va? Vous allez bien? Ok, parce que ça attire. Qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, comme j'ai dit aux filles, on peut être sexy, mais sans forcément. Justement, compléter pour dire que l'habillement, c'est la porte d'entrée, au fait. Mm-hmm. Voilà. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Voilà. L'habit, c'est un déterminant dans les critères de respectabilité, au fait. Ouais. Voilà. Tu peux pas t'habiller n'importe comment. C'est-à-dire, d'abord, même le cadavre, même là, il est habillé souvent en vestment, pas une kita. Au moins, même s'il va pas au paradis, qu'il va en enfer. Les démons là, vont le respecter au moins. Ça veut dire que l'habillement. L'habillement, déjà, c'est quelque chose de très important. En fait. Voilà. Il y a une éducation qu'on a reçue qui marchait avant, qui ne marche plus aujourd'hui. C'est ça. C'est une réalité. Ouais. Il faut que les nouveaux parents adaptent
leur façon d'éduquer leurs enfants. Mm. Pas forcément... Enfin, on peut transmettre ce qu'on a reçu, mais différemment. Mm. À notre époque, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas Facebook. Mm. C'est ça. Donc, quand on nous disait... Il n'y avait aucun moyen de voir autre chose. Ouais. Et la plupart du temps, ce qu'on disait chez X, on disait la même chose chez Y. Même quand on s'associait pour faire les bêtises, on disait que nous deux, quand on va arriver à la maison, on va nous frapper parce que c'est ce qu'on a dit de ne pas faire. On a fait. La même chose partout. Mais aujourd'hui... Il y a des parents, des enfants de 3 ans qui ont des tablettes, qui ont accès à Internet. C'est vrai. Ce n'est pas contrôlé. Il n'y a pas le contrôle parental parce que quand l'enfant a la tablette, eux, ils ont un peu de tranquillité. C'est vrai. Donc, en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui disaient ça ici, être parent, ça s'apprend aussi. Mm-hmm. Et on est dans une époque où malheureusement ou heureusement, on a besoin de se former pour être de bons parents. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas la science infuse et parfois, on est dépassé par les événements. Ouais. Mm-hmm. Tu vois ton enfant dans une situation, peut-être tu n'aurais jamais pu imaginer que ton enfant était capable mm-hmm. de ça. Mm-hmm. Mais tu te réveilles un matin, tu vois ta fille en train de faire une sextape, se filmer, c'est sur Facebook. Et Dieu merci, aujourd'hui encore, c'est balisé. On ne peut plus voir de sextape sur Facebook. Mais en fait, il faut que les parents aussi changent leur façon d'éduquer leurs enfants. Qu'ils soient plus proches de leurs enfants. Parce que ce n'est plus l'histoire de « je dis, tu exécutes ». C'est « on discute et tu comprends ce que je veux comme te je dire ». Mais regarde de aussi, regardez aussi. Moi, je pense qu'au-delà des parents, il y a aussi une action, je dirais, de manière générale, pas du gouvernement, mais oui, des gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, encore, on a encore un peu de chance d'avoir certaines valeurs. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe en Occident. On interdit de porter un abaya. Par contre, c'est tout à fait normal de porter un rat-de-fesse pour aller en classe. Mmh. Donc, il y a quelque part aussi une prise de conscience qu'il faut faire. Parce que vous êtes responsable de l'enfant qui grandit. Vous êtes responsable. C'est normal aujourd'hui de voir dans des livres d'école, oui, comment faire l'amour, monsieur, madame, il faut mettre le pénis dans... Mais attendez, comment vous voulez que l'enfant va grandir dans ça? Donc, ça veut dire que, en tant que parent, il faut apprendre à l'enfant la contradiction entre ce qui est appris à l'école et les valeurs religieuses. Parce que les valeurs religieuses, de plus en plus, le gouvernement se perd. On prône la laïcité, mais la laïcité, en fait, ramène à la perdition. Ce que je peux dire, et c'est une expérience personnelle, on peut être la plus grande bandite de la terre. Mais lorsque Dieu vous fait grâce d'enfanter, à partir de cet instant, on ne vous a pas besoin de vous dire. Vous devez comprendre que ce que vous avez vécu, vous n'avez pas envie que votre enfant puisse vivre la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui va vous emmener à changer? Souvent, c'est la prise de conscience. Et cette prise de conscience commence par vous-même d'abord. Mmh. Et ensuite, vous pouvez aussi vous allier à une religion. Vous greffez à cette religion qui va vous permettre de comprendre mieux les choses. Mais ce qui va se passer, c'est que si vous avez l'habitude de faire busy, à cause de votre enfant, vous n'allez plus faire business. Si vous avez l'habitude de vous droguer, à cause de votre enfant, vous n'allez plus vous droguer. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que l'enfant vive la même chose que vous. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les fréquentations. Qu'on le veuille ou pas, quand tu as un groupe de copines qui fait business, au-delà, nous, on s'en paye tel sac de Mac. T'as la famille, elle a donné quoi? Mais elle a donné 2 000 euros, elle a donné quoi? 1 000 euros. Allons faire Quintado, allons prendre Jay. Mais quand tu sors de là, 10 ans après, tu te rends compte que le fait d'avoir rangé ta vie, et c'est vraiment la grâce de Dieu. Ouais, et que celles qui sont restées dedans, D'autres même pleurent parce que leur vie est mélangée. Elles n'ont pas pu avoir. Non, c'est une grâce. Fidèle, dis-nous. Oui. Moi, je veux parler de l'éducation qui est restée tabou. Parce que ce que Dical disait tout à l'heure, on est resté au stade de tabou. Il faut pouvoir adapter l'intelligence à l'adaptation. Ouais. Donc, je sais qu'aujourd'hui, le sexe est tabou. Alors qu'il y a des choses, parce que mon enfant ne sait pas, il se livre. Donc, quand j'accompagne mon enfant, puisque vraiment être parent, c'est un job à plein temps. C'est ça. Je dois accompagner mon enfant. Je sais qu'il y a des choses que je dois commencer à lui apprendre. On doit apprendre la sexualité très rapidement à l'enfant, mais bon, selon son âge. C'est ça, c'est ça. J'ai un oncle qui est... Il y a un tonton qui est directeur d'école. Et au CM1, il y a eu 2 élèves, 2 filles, qui étaient enceintes. Donc, on apprend à quel moment 2 filles. On les a pas violées. Pas violées, un enfant de l'école. Ça, là, ils sont gars, ils ont un enfant de l'école. Pour dire que quoi? Lorsque on commence à parler de certaines choses à l'enfant, déjà, il peut commencer à se contrôler. On se dit que non, l'enfant va avoir la naissance à partir de 15 ans. Mais quand tu parles, si toi, tu irais fumer tes enfants, avant, là, quand tu irais fumer tes parents, là, dès que les gens s'embrassent en Afrique, on fait un visage. Non, ça veut dire que c'est bêtise. C'est quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Mais quand tu regardes, il faut bien regarder.
Tu as vu ce qu'ils sont en effet là, c'est comme ça, ou bien l'enfant, c'est un tu montres préservatif, tu éduques l'enfant. Comme le coach a dit, je pense qu'on aura, il faut on aura parler le temps de faire des émissions sur tout ça, une par une, une chose à la fois, avec sur cette communication, sur sexualité, sur éducation. Vraiment, comme j'ai dit, cette saison 4, c'est la théorie. Puis, je vais écouter maintenant Prince. Bon. Ce que toi, tu as à dire. C'est juste rejoindre, au fait. C'est juste rejoindre. Avant, par exemple, quand on montrait des trucs à la télé, c'est les parents même qui chassaient l'enfant. Ouais. Et maintenant, mais c'est le parent même qui fuit pour laisser l'enfant. Là, il a gêné devant son propre enfant. Et l'enfant, il dit, mais papa, tu vas où? Mais maman, tu vas où? Viens t'asseoir. C'est pour ça qu'il faut faire une sélection même dans ce que les enfants regardent. Justement. Moi, mes enfants ne regardent pas n'importe quelle chaîne. Et je télécharge les dessins animés. Même dans les dessins animés. Si la fille porte caleçon pour se balader, c'est parce que tu as vu porter caleçon, je suis fan de toi, je vais porter caleçon comme ça. Il y a un suivi. Donc il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience de la part de tous les leaders, de toutes ces dames. Il y a un vrai suivi moutonnier qui se fait de la part de tout le monde. Les gens suivent tout et n'importe qui en même temps, alors qu'elles n'ont pas forcément les valeurs qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, tout le monde peut devenir star, tout le monde peut devenir influenceuse. Elle devient influenceuse, elle devient star avec son mauvais comportement, avec sa mauvaise éducation, avec son mauvais tempérament. Donc c'est ça aussi qu'elle va transmettre à la lumière. Et donc aussi, ceux qui la suivent aussi, c'est ça qu'ils vont copier. Téléphone, on n'est pas obligé d'aller là-bas, tu es d'accord? C'est ce qu'ils vont dire. Enfin, normalement. C'est ce qu'ils disent. Il faut partir. C'est pas ton erreur, c'est forcé de me regarder. Désabonnez-vous là. Allez, c'est ça alors, en fait. Bon, très bien. Quelque part, mais... On va passer maintenant à une rubrique. D'accord. Ah, oui. À la chronique Leçon de vie. Cette émission-là, je pense qu'on pourrait en faire des parties 2 ou bien des sous-thèmes, parce qu'on ne peut pas tout aborder en une seule émission. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, voilà, que ce soit l'éducation, tout ce qu'on doit apprendre à notre enfant et tout, et tout. Mais là, on va passer à la première rubrique, parce que comme on l'avait annoncé dans la saison 4, chaque semaine, on aura des rubriques. Aujourd'hui, c'est vendredi et tout le monde va partir avec sa première rubrique qui sera Leçon de vie. Jingle. Alors, pour cette première leçon de vie, je vais parler de Oprah Winfrey. Et je fais exprès de parler de Oprah Winfrey parce que non seulement le sujet colle très bien avec Oprah Winfrey, mais en plus, c'est l'une des femmes qui m'inspire le plus, qui me motive au quotidien. D'accord ? Pour ceux qui connaissent Oprah Winfrey, ils savent que c'est la personnalité la plus influente et la plus riche du monde, personnalité média. Sa fortune est estimée à plus de 2,5 milliards de dollars. C'est la femme noire la plus riche du monde et donc elle a de quoi inspirer. Donc quand on voit une femme comme ça, on se dit waouh, elle a réussi, elle est vraiment tout ce qu'on a envie d'être. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Oprah est née d'une union d'un jour. Elle n'était pas une enfant désirée. Sa naissance a été marquée par le regret, la dissimulation et la honte. Ses parents se sont, ont juste fait l'amour une seule fois et la maman est tombée enceinte. Donc Oprah a grandi avec sa grand-mère dans une misère telle que quand elle partait à l'école, souvent on était obligé de lui faire des robes à base de sacs de patates. Tellement il n'y avait rien à manger à la maison. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Alors, de 10 à 14 ans, Oprah a été victime de sévices sexuels. Son beau-père. Et finalement, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a dû cacher sa grossesse jusqu'à ce que son médecin découvre qu'elle était enceinte. Il a découvert que ses chevilles étaient enflées et elle était pâle. Il l'a envoyée à l'hôpital, il a vu qu'elle était enceinte. Elle a accouché et l'enfant est mort des semaines plus tard. Voilà. Pour dire que ce qu'elle a vécu, cette fille-là, c'est ce qu'on décrivait ici. Elle a vécu des choses atroces. Non seulement tu n'étais pas désirée, on t'a montré que tu n'es pas la bienvenue au monde. En plus, on te viole. La misère, oui. On te maltraite. Tu es triste à l'école, on se moque de toi. Mais la force d'Oprah, c'était l'école. C'est là seulement que Oprah a mis toute son énergie parce qu'elle était brillante à l'école. Et comme elle le dit elle-même, tout l'amour qu'elle a pu recevoir dans sa vie, c'était de ses professeurs parce que ses professeurs lui disaient « tu es brillante, tu peux y arriver » et tout. Et donc Oprah était éloquente, elle était brillante jusqu'à ce qu'elle décroche des bourses scolaires. Elle était même la fille la plus populaire de l'école tellement elle était intelligente. Et après le bac, elle a pu obtenir une bourse à l'Université du Tennessee où elle a étudié la communication. Elle a enchaîné des petits boulots jusqu'à ce qu'elle soit la première femme noire présentatrice du journal télévisé aux États-Unis.
Plus tard, elle a été à la tête d'un talk show qui s'appelait le AM Chicago. Et plus tard, elle a rebaptisé le show-là, le Oprah Winfrey Show, qui est aujourd'hui le show avec le plus grand taux d'audience dans l'histoire de la télévision. Mmh. Mmh. Donc, leçon de vie, ce qu'on peut tirer déjà de cette histoire de Oprah, c'est que toi aujourd'hui, qui as un enfant non désiré, toi aujourd'hui qui es enceinte et qui as envie d'avorter, tu ne sais pas ce que cet enfant peut devenir demain. Toi-même, enfant qui naît d'une union non voulue, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Ta force, tu dois la puiser dans ce que tu as de mieux. Oprah, elle a puisé sa force dans sa voix. Elle avait une voix incroyable. Elle avait une éloquence. Elle avait ses études. Donc, accroche-toi à quelque chose, accroche-toi à un but pour pouvoir raconter ta vie. Parce que ce genre de personnes-là ont des destins particuliers. Quand tu nais d'un truc aussi difficile, aussi terrifiant, tu as forcément un destin spécial. Donc, il faut que tu prennes conscience de ça très vite. La chair de poule. Deuxième leçon de vie, c'est que Oprah a été marquée par des choses motivantes. Quand Oprah regardait la télé à l'âge de 10 ans, il y a une chose qui l'a marquée, elle l'a dit, et c'est ce qui lui a donné envie de réussir dans sa vie, c'est qu'elle a regardé à la télé la cérémonie des Oscars et elle a vu que l'Oscar du meilleur acteur avait été décerné à Sidney Poitier. C'était alors le premier noir américain à avoir un prix parce que c'était le premier noir à avoir embrassé une femme blanche dans un film. En ce moment, il y avait la ségrégation raciale. Quand elle a vu ça à l'âge de 10 ans, elle a dit « il est noir ». Il a réussi à faire ça dans une Amérique où tous les noirs sont tués ici et là, n'ont pas droit à la parole. Moi, je veux être comme lui. Donc la deuxième leçon de vie, c'est qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants ? Qu'est-ce que vos enfants regardent à la télé ? Parce que s'ils regardent des choses qui les motivent, des choses qui leur donnent envie de réussir, ils vont forcément être déterminés, qu'il y ait de l'amour ou pas. Mais s'ils regardent des choses qui leur donnent envie, je ne sais pas, de s'amuser, bien sûr, ils vont s'amuser. Troisième leçon de vie, c'est la détermination de Oprah Winfrey. Franchement, je pense qu'il n'y a pas personne plus déterminée pas de raison, que ce qu'elle a vécu. Ouais. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de raison. Tu peux naître d'un environnement incroyable, mais ta foi, ta détermination inébranlable et ton envie de réussir peuvent faire de toi aujourd'hui la une femme noire la plus riche du monde. Ouais. Et surtout qu'elle n'était pas belle. Elle n'a pas avancé avec sa beauté parce qu'on disait qu'elle n'était pas jolie. Aujourd'hui, là, qui peut s'arrêter devant elle pour dire qu'elle n'est pas jolie? Voilà les leçons de vie, Oprah. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Et la semaine prochaine, ce sera Yasmine qui nous fera sa chronique, les histoires de Yachou. Oui. Et Coach Mada, merci. Mais surtout, tu vas revenir pour qu'on termine tout ça. Fidèle Amian, tu vas revenir. Okay. Et même si on doit faire 3 émissions, 4 émissions, mais il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément de parents. C'est nous qui sommes leurs parents. C'est nous qui les éduquons avec cette émission-là. Donc, ils ont besoin d'entendre des vérités. D'accord? Donc, vous allez revenir. Prince, vous allez revenir et on va refaire encore. On va en parler. Il faut qu'on aille des cas pratiques. Il faut qu'on en parle jusqu'à ce que les mentalités changent. C'est notre rôle. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.